merci d'être venus assez nombreux malgré les événements. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Sylvie Histoire s'attache à montrer des faits peu connus de l'histoire contemporaine au moyen de films ou de documentaires. Et je vous préviens tout de suite que le documentaire que nous allons passer date de 2008. Il est donc assez en recul avec ce qu'on sait depuis. Et nous avons trouvé la suggestion de Dominique Vidal de faire une séance sur la vie à la mort d'Henri Curiel assez intéressante et tout à fait dans notre programme. Cet homme à part, comme l'a écrit Gilles Perrault, qui a consacré plusieurs années de sa vie à faire un livre du même titre, cet homme à part, il est mort vraiment jeune et dans des circonstances encore inexpliquées. En dehors des intervenants que nous avons annoncés, nous avons dans la salle le plaisir d'avoir Madame Joyce Blow, qui était très proche d'Henri Curiel, et qui, comme Madame de Wangen, qui est ici aussi, a fait partie de Solidarité. Et le mari et le beau-frère de Madame de Wangen étaient des piliers de Solidarité. Donc, ils pourront aussi répondre à des questions éventuelles. Alors, avant de passer la parole à Dominique Vidal, c'est notre dernière séance avec la maire adjointe qui nous a soutenus depuis 10 ans, Madame Catherine Vieux-Charrier, puisqu'elle prend sa retraite, nous ne serons plus avec elle, c'est la dernière séance, et nous tenons à remercier Catherine Vieux-Charrier et toute son équipe pour l'aide et le soutien qu'ils nous ont apporté pendant ces 10 années. C'est certainement pour que je vous souhaite une bonne projection après laquelle nous nous retrouverons avec Sylvie Brévent, avec Émilie Raffoul et avec Alain Grèche pour parler de la vie d'Henri Curiel et de sa mort, de son assassinat. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne projection. C'est un film, comme Nicole vous l'a dit, qui date de 2008, donc il y a des éléments de connaissance qui lui font défaut parce que, entre-temps, un certain nombre de choses, pas toutes, ont avancé. Mais en même temps, il permet à quiconque ne connaît pas bien la vie d'Henri et sa mort d'en avoir plus qu'un aperçu. Voilà, bon film. Chaque année, depuis 30 ans, ils sont un petit nombre, amis et proches, à se retrouver au Père-Lachaise. Ils viennent honorer la mémoire d'Henri Curiel, militant communiste assassiné à Paris en 1978. Ils viennent surtout rappeler qu'à ce jour, ce crime politique n'a pas été élucidé. C'est pour nous très important qu'on sache par qui, comment et pourquoi. Qui, comment et pourquoi, depuis le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, aucun président n'a fait faire la lumière sur le dossier. 30 ans après, le fait qu'on ne sache pas est quand même un signe de l'opacité de son pouvoir depuis longtemps. Le seul crime politique qui a été impuni. Ce 4 mai 1978 est un jour férié. Les rues sont désertes. Il est 14h. Table ronde prévue, sans Gilles Perrault, comme vous l'avez entendu, puisque Gilles n'a pas pu venir, il avait peur d'être bloqué à Paris, de ne pas pouvoir rentrer, il n'est pas tout jeune non plus, je veux dire. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est d'abord une table ronde entre journalistes, en fait, puisqu'il y a Sylvie Brévent, qui a été longtemps rédactrice en chef de TV5 Monde, et qui a largement collaboré à l'enquête qui a permis à Gilles Perrault d'écrire le livre Un homme à part. Alain Grèche, qui a été directeur adjoint du Monde diplomatique, qui est directeur du journal en ligne Orient 21, et qui est aussi le fils d'Henri Curiel, même s'il l'a appris tardivement. Et Émilie Raffoul, qui est réalisatrice, et qui a collaboré à ce film que nous venons de voir. Je vous propose qu'on ne commence pas par l'enquête,
mais qu'on parle d'abord d'Henri Curiel, de sa personnalité, de sa vie, de ce qu'il a fait, pour en venir, en fin de table ronde, à l'état exact de l'enquête. Puisque pour aller vite et dire les choses simplement, lors de la pose de la plaque en hommage à Henri Curiel sur l'escalier qu'on voit qui mène à la rue Rollin, où il a été assassiné, Alain en particulier, pas que lui, ont mis en cause directement et nommément le président Valéry Giscard d'Estaing. Donc ça vaudra le coup de savoir pourquoi cette mise en cause. Mais je voudrais qu'on reparte au point de départ, là où tout commence, c'est-à-dire à l'Égypte, et demander un peu, peut-être à Alain, mais aussi à Sylvie, parce que je crois que Sylvie peut enquêter au Caire pour le livre. Quel est ce milieu dont sort Henri Curiel, qui est un milieu de la grande bourgeoisie, de la banque juive, en l'occurrence, et duquel il se détache pour utiliser une formule qui, à l'époque, était maoïste, prendre la cause du peuple, quoi. Au fond, il y a une espèce de fascination d'Henri Curiel pour ce peuple misérable, la manière dont il est traité. Et j'ai l'impression qu'avant d'être le fondateur du premier parti communiste, il est d'abord un jeune intellectuel fasciné par la manière dont le peuple est traité dans un pays comme l'Égypte. Oui, je crois qu'on ne peut pas comprendre Henri sans remonter à l'Égypte. Et tout ce que vous allez voir après sur l'Algérie, sur solidarité, etc., ça venait de l'Égypte. Donc, comme Dominique l'a dit, Henri est né en 1914 en Égypte, en septembre 14, c'est-à-dire au moment où commence la Première Guerre mondiale. Et c'est aussi un moment clé de l'histoire de l'Égypte, parce que jusque-là, l'Égypte est en fait sous contrôle britannique, mais dépend encore formellement de l'Empire ottoman. À partir de la Première Guerre mondiale, quand l'Empire ottoman choisit la cause allemande et austro-hongroise, ça bascule dans les mains des Britanniques. Et qu'à partir de ce moment, l'Égypte va être totalement aux mains des Britanniques, et toute l'histoire de l'Égypte, jusqu'à l'expulsion d'Henri, ça va être la lutte pour l'indépendance. Et c'est évidemment une lutte qui va marquer Henri. Alors, Henri, il est né en 14, donc il s'éveille à la politique dans les années 30, comme un jeune intellectuel, enfin un jeune des milieux privilégiés qui s'intéresse au monde. Ils sont très francophones, il est francophone. J'ai tendance à dire que le centre du Caire, c'est un faubourg de Paris, en termes de... on parle français, on lit ce qui se sort à Paris, etc. Et donc, comme beaucoup de jeunes intellectuels de cette période, qui est la période de la montée du fascisme et du nazisme, il s'intéresse à la lutte antifasciste, c'est tout à fait normal. Et puis, il va être, comme a dit Dominique, totalement marqué par la misère du peuple égyptien. C'est-à-dire, si le Caire, le centre du Caire moderne était un faubourg de Paris, la situation des masses égyptiennes est une situation terrible. Donc, il va être, comme beaucoup de ses amis, d'ailleurs comme beaucoup de ceux qui vont rejoindre les différents mouvements communistes ou autres, marqué par cette misère du peuple égyptien. Mais ce qui va faire l'expérience particulière d'Henri, je crois, c'est sa confrontation avec le nationalisme égyptien. Ce qui n'était pas du tout évident. C'est-à-dire que, comme je dis, ces jeunes intellectuels, ces jeunes militants, ils vivaient finalement dans un monde international, ils avaient peu de contact avec les masses, etc. Et être sensible à cette demande nationaliste, il a fallu l'expérience d'Henri, d'une certaine manière, il va la découvrir en prison, dans les premières arrestations, il va découvrir ce nationalisme. Et il va découvrir quelque chose qui est que c'est l'essentiel de la cause égyptienne. Bien qu'au moment même où il adhère devient communiste, comme il dit, on est dans la Seconde Guerre mondiale, c'est les premières victoires de l'armée soviétique à Stalingrad, etc. Il découvre que ce qui meut le peuple égyptien, ça ne va pas être la révolution sociale dans un premier temps, mais c'est l'aspiration à l'indépendance. Et ça pose des problèmes, parce qu'à l'époque, en Égypte, l'ennemi principal, c'est les Britanniques. Et il y a un épisode qui lui met à raconter et qui résume ces contradictions, et en même temps, sa compréhension, je crois, de ce sentiment national,
C'est quand, en 1942, les armées allemandes, dirigées par le général Rommel, arrivent sur Alexandrie, et une partie du peuple égyptien les attend comme des libérateurs. Et non pas, comme on tente aujourd'hui de le dire, parce que les Arabes sont sympathisants de l'idéologie nazie, etc., mais parce que, pour eux, l'ennemi, ce n'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, c'est très loin. Le vrai ennemi, c'est les Britanniques. Et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et Henri raconte qu'il va sortir un tract qui veut dire, non pas au moment de l'avancée de Rommel sur Alexandrie, disant « Les Allemands ne sont pas mieux que les Britanniques ». Et je crois que c'est... Bon, il y avait cette compréhension du nationalisme égyptien et qui fait que le premier mouvement qu'il construit, qui est le mouvement, enfin, le mouvement communiste qu'il édifie, c'est le mouvement, il l'appelle mouvement de libération nationale. Mouvement égyptien de libération nationale. C'est-à-dire, il n'y a pas le terme communiste, il n'y a même pas le terme de révolution sociale, etc. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va le marquer, qui va faire qu'il va comprendre la lutte d'indépendance du peuple algérien et qui va comprendre aussi, qui va expliquer la suite avec solidarité et la solidarité avec tout le mouvement anticolonial qui, dans les années, jusque dans les années 70, va être une force importante de changement à l'échelle internationale. Avant de donner la parole à Sylvie, juste une question pour préciser. Comment le communisme vient dans cet itinéraire-là? Parce que ça aurait pu très bien ne pas venir. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui existe plus ou moins dans la tradition familiale, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il rencontre dans la réalité sociale égyptienne? C'est-à-dire, est-ce que la judéité a à voir avec ça? C'est-à-dire le fait de participer d'une minorité réellement minoritaire en Égypte? Bien sûr, enfin, cette minorité, enfin, pas seulement les juifs, mais les gens de culture, ceux qui parlent français, qui sont ouverts vers Paris, ils regardent vers l'Europe. Et l'Europe, il y a le choix, à l'époque, dans les années 30, il y a d'un côté les mouvements nazis et fascistes, et de l'autre, le mouvement communiste. Donc, très spontanément, il va se retrouver dans le mouvement communiste. Avec une chose qui est particulière à l'Égypte, c'est que je crois que l'Égypte est le seul pays du monde où, après la révolution soviétique, il va y avoir un parti communiste qui va pratiquement disparaître. Alors que partout ailleurs, malgré la répression, il reste un parti communiste reconnu par l'international, etc. L'Égypte va être le seul pays où il n'y a pas ça. Et ça va donner, je dirais, la force et la faiblesse du mouvement égyptien, c'est-à-dire que la faiblesse, c'est la division, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un à Moscou pour dire c'est les bons communistes, là et là, c'est des trotskistes, des traîtres, etc. Donc il va y avoir toujours 3, 4, 5 mouvements communistes, ça devient presque une plaisanterie. Mais en même temps, ça va leur donner, parce que le mouvement se constitue en 43-44, c'est-à-dire au moment où l'international communiste se dissout, une espèce d'autonomie et de capacité de mettre en avant cette question nationale, je dirais peut-être une dizaine d'années avant que l'Union soviétique de l'époque stalinienne et début de post-Staline comprenne l'importance de ce mouvement de libération nationale. Alors Sylvie, je n'ai pas précisé une chose quand même, c'est que tu es une curielle. Peut-être faut-il le demi-curiel, enfin il faut le dire quand même, c'est la moindre des choses. Mais ce qui en l'occurrence m'intéresse beaucoup, c'est que tu as fait toi une enquête avec des yeux sans doute plus neufs que ceux d'Alain, puisqu'elle a vécu son enfance en Égypte. Qu'est-ce qui, quand tu arrives au Caire pour faire cette enquête, qu'est-ce qui toi te frappe, quoi? Alors, peut-être avant de répondre à ça, je vais moi répondre un peu à Alain, parce que notre vue, évidemment, elle est différente. Moi, j'ai grandi dans... mon père est le plus jeune d'une bande de cousins qui étaient tous communistes et un trotskiste. Donc il y a quand même quelque chose, et moi, je les voyais le dimanche chez ma grand-mère, parce que ça, une fois par mois, elle réunissait comme ça les cousins. Et donc, c'est l'œil... un œil petit, disons, d'enfant, hein, je peux parler de ça. Mais pour répondre à ta question sur est-ce qu'il y avait dans la famille, oui, puisque Henri, et je m'en regrette de te le dire alors, et tu le sais, n'est pas le premier à avoir été communiste. C'est Raoul qui a été d'abord communiste. Raoul, le frère d'Henri, le frère aîné d'Henri, qui est le premier à être communiste. Et quand même, le nazisme
et la Seconde Guerre mondiale qui s'annonce joue un rôle quand même très, très important dans l'engagement. Alors c'est sûr aussi, peut-être que d'ailleurs, parce qu'il y a Raymond Aillon aussi qui devient communiste très vite, il fonde, il n'y a pas seulement le mouvement, il y a aussi un journal qui s'appelle Don Quichotte, etc., où Henri écrit aussi. Donc ils sont tous quand même là ensemble, et quand même là à ce moment-là, c'est l'antinazisme. Et peut-être que pour Henri, plus que pour les autres, c'est aussi la réalité égyptienne. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'au départ, quand même, il y a ce moment-là. Alors, pour répondre, quand moi j'arrive en Égypte, en Égypte, il ne reste presque plus rien. Hein. Quand j'arrive, j'ai commencé à faire cette enquête avec Gilles Perrault en 1979, quand je suis sortie de l'école de journalisme. Et donc, il y a encore quelques juifs au Caire, mais bon, de toute façon, toute la splendeur de la villa de Zalmalek qu'ils appelaient les Palazzo, et c'est vrai que c'était très splendide quand même. C'était moins splendide que les avions, mais c'était quand même assez splendide. Bon, tout ça a disparu à ce moment-là. Donc moi, je ne peux que voir ce qui reste. Et les parfums. Moi, je me souviens aussi de Henri qui me parle souvent des parfums de l'Égypte. il est donc expulsé. À quel titre est-il expulsé, Henri Curiel, d'Égypte? Je pose la question parce qu'il y a toujours un débat, je ne vais pas l'ouvrir ici parce que ce n'est pas le moment, mais sur dans quelles conditions les Juifs ont quitté les pays arabes après la première guerre israélo et ensuite palestinienne et ensuite israélo-arabe. Et c'est vrai que l'Égypte est un contre-cas, puisque dans la plupart des pays, en fait, ils n'ont pas été expulsés. Ils sont partis parce qu'on a organisé leur départ vers Israël. En Égypte, il y a eu des expulsions massives de Juifs. Est-ce que c'est à ce titre, ou c'est en tant que militant communiste, que Henri Curiel est expulsé? Et quand, d'ailleurs? Oui. Bon, d'abord, la communauté juive égyptienne est assez peu nombreuse, c'est 70 000 personnes, je crois, enfin, on ne sait pas très bien. Elle est très diverse, c'est-à-dire il y a des Caraïbes qui sont des sectes complètement arabisantes, etc., qui sont quelques milliers. Il y a des Juifs séfarades, il y a des Juifs qui sont originaires d'Europe de l'Est. Il n'y a pas une grande unité de cette communauté. Et son destin, ça va varier selon les périodes. En gros, vous lisez beaucoup dans beaucoup d'endroits que tous les Juifs ont été expulsés en 56, c'est faux. Moi, j'ai grandi jusqu'en 62 au lycée français du Caire, un tiers des élèves étaient Juifs, ils ont été expulsés. Ils sont partis. Alors, ceux qui sont partis en 62-63 sont plutôt partis à cause des lois socialistes que du conflit israélo-palestinien, même israélo-arabe, même si ça a joué un rôle important. Il y avait aussi le problème de la nationalité, c'est-à-dire que... Alors, Henri avait choisi, lui, ce qui avait été fait un scandale à l'époque, à ses 21 ans, il avait choisi la nationalité égyptienne. Mais quand on l'a expulsé, on a remis en cause cette adhésion, si on peut dire, à la nationalité égyptienne. C'est vrai qu'en 47-48, il y a un certain nombre de juifs qui vont être expulsés, souvent parce que, à la fois sous l'accusation de juifs et sionistes, puisque à l'époque, l'Union soviétique soutient le plan de partage de la Palestine et donc est considéré par les pouvoirs arabes comme des traîtres. Donc en fait, il est expulsé essentiellement parce que c'est un militant politique, il n'est pas expulsé en tant que juif, même si, on le sait, les juifs ont joué dans les mouvements communistes, enfin dans les mouvements communistes, les différentes organisations communistes égyptiennes, un rôle important. Émilie ? Non, je voulais juste raconter une petite anecdote, c'est que mes deux parents viennent d'Égypte, du côté de ma mère ashkénaze et du côté de mon père séfarade, qui était lui aussi communiste. Mais il se trouve que le père de ma mère était président de la communauté juive au Caire, et qui s'est retrouvé enfermé avec Henri dans un camp où Henri avait la responsabilité des communistes et mon grand-père celle des juifs. Et il a été expulsé en 57 après avoir géré ce camp à deux, Henri pour les communistes et mon grand-père pour les juifs. Donc voilà, je vais juste raconter ça. Merci.
Alors, on va, peut-être on pourra dans le débat, au moment où on va vous donner la parole, revenir, si vous le souhaitez, sur le fond égyptien quand même de toute cette affaire. Qu'est-ce qui fait que Henri Curiel se retrouve à la place de Francis Janson, à la tête des réseaux des porteurs de valises? Bon, je sais que Janson a dû partir, a dû quitter la France. Donc, concrètement, il est poursuivi, donc il faut le remplacer. Mais qu'est-ce qui amène Henri Curiel à ce moment-là à être l'homme qu'il faut pour reprendre ou continuer la direction des réseaux de porteurs de valises? Enfin, chacun ici, j'imagine, connaît de cette histoire des porteurs de valises. C'est un petit nombre de gens, mais qui ont joué un très grand rôle d'aide concrète, politique, mais aussi matérielle, au Front de Libération Nationale algérien. Donc comment Henri arrive dans ce paysage qui est un paysage français de la fin des années 50? Je vais laisser Sylvie répondre, mais je voudrais dire une chose qui me semble importante. Donc il est expulsé en 50, et entre 50 et 56, non, il est expulsé en 50 ans. Entre 50 et 56, son cœur bat pour l'Égypte. Et c'est important de rappeler, c'est jusqu'à sa mort, il est resté profondément attaché à l'Égypte. On dit souvent, je l'ai dit moi aussi, il était un amoureux de Paris et de la France et de la culture française. Mais moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est à quel point l'Égypte restait pour lui quelque chose de fondamental, parce que ça avait été sa formation. Et donc, entre 50 et 56, il continue à militer pour l'Égypte. Il essaye de développer une activité. C'est le moment où il y a le coup d'État des officiers libres. Il y a un certain nombre de communistes qui milite parmi les officiers libres. Henri pense qu'il faut soutenir Nasser à l'époque où il est dénoncé par le Parti communiste français, par les soviétiques comme un agent américain. Donc il y a toute cette volonté de retourner en Égypte. Il a plusieurs moments pensé retourner clandestinement en Égypte. Et puis, pour des raisons diverses, mais notamment le fait qu'en 1952, il est mis en cause par le PCF, par le Parti communiste français, dans la fameuse affaire Marty. Donc il est dénoncé par le PCF, ce qui le fait mettre à l'écart des communistes égyptiens, parce que ce que dit le Parti communiste français, c'est le grand parti... Parole d'évangile. Parole d'évangile, si on peut dire. Et donc petit à petit, il va se rendre compte que l'avenir n'est plus en Égypte. Et je pense que c'est comme ça, petit à petit, qu'il va, mais je laisse Sylvie en parler, aller vers ce qui est normal d'ailleurs, c'est le soutien à une lutte de libération qui, pour lui, le rappelle les luttes de libération qu'il a fait. Mais ma question est double, c'est-à-dire comment lui vient là, mais comment, du côté des porteurs de valises, on choisit quelqu'un qui arrive d'Égypte, enfin qui est arrivé depuis un moment, mais qui n'est pas a priori au cœur de la chose. Ça a à voir, justement. Alors. Ça a à voir parce que ça commence, je dirais, l'engagement d'Henri pour l'Algérie commence en 56. Hein. En 1956, donc, il y a l'affaire de Suez, et Henri, donc, avec le groupe qui est des Égyptiens aussi autour de lui, joue un rôle, là, puisque, évidemment, il va même jusqu'à donner les plans à Nasser de l'attaque. Donc ça, c'est évidemment là un engagement, on va dire, pour les pays qui se battent contre les anciens colons, en l'occurrence... La France et l'Angleterre pour ce qui est de 56. Donc ça commence là. Donc là, à ce moment-là, Henri commence à être aussi dans les groupes de ceux qui se battent aussi, puisque la guerre pour l'indépendance commence à ce moment-là aussi en Algérie. Et donc, je dirais que c'est assez naturellement qu'il se retrouve dans ce mouvement des porteurs de valises. Et évidemment, donc, quand Janson est grillé, puisque Janson est grillé à un moment donné, l'une des compétences qui va faire qu'Henri va prendre un rôle assez important, et là, c'est assez drôle, c'est sa compétence de banquier, en fait, de gestionnaire de l'argent, parce que les porteurs de valises collectent l'argent, et donc il faut faire passer cet argent ailleurs, et au lieu de trimballer des valises, comme il le faisait avant, en fait, Henri leur dit, ben, on peut le faire aussi par un jeu d'écriture. En fait, hein. C'est aussi comme ça que ça se fait
Et à partir de là, il prend un rôle aussi plus important, évidemment, sur le plan politique au sein des porteurs de valises, d'autant que, effectivement, j'en sens complètement brillé. Il y a l'expérience de la clandestinité. Voilà. Je veux dire qu'il a une expérience en Égypte, voilà. Quasiment de 43 à 50, de créer un mouvement clandestin, de faire des faux papiers, de faire des choses. Donc, des compétences qui vont lui servir, évidemment. Parce que moi, j'ai le souvenir personnel, puisque ma mère était porteuse de valises, ce qu'elle m'avait raconté quand j'étais tout gamin, mais du nombre de gens qui tombaient parce que c'était compliqué de mener une lutte clandestine en France dans ces années-là, que le racisme est anti-arabe, même s'il n'a pas disparu, était une violence inouïe, et que donc, effectivement, notamment les problèmes d'argent étaient des problèmes cruciaux, puisque le FLN ne pouvait pas faire ramasser les sommes dont il avait besoin par des Arabes, par des Algériens. Il fallait, si possible, que ce soit des Français qui organisent ce travail, je répète, un travail essentiel, au moins aussi important que la diffusion des livres interdits ou des journaux interdits. C'est toute une activité d'aide concrète, et là, effectivement, c'est ça que je trouve très intéressant, parce qu'on pourrait faire le lien avec ce qu'est ensuite solidarité. Au fond, Henri n'est pas un rêveur, quoi. Henri, c'est quelqu'un qui est un organisateur de l'activité clandestine, que ce soit en faveur du FLN algérien pendant la guerre, que ce soit en faveur d'autres mouvements. Il y a toujours cet aspect que racontait Maria Mora, je crois qu'elle est là, voilà, je croyais bien l'avoir vue, c'est-à-dire, on fait des faux papiers, on met des moustaches, on trafique des papiers que d'autres ont soi-disant perdu, etc. C'est tout un travail très concret, quoi. Ça n'est pas seulement une réflexion politique, théorique, etc. Et très professionnel. C'est-à-dire, c'est aussi pour parler d'une anecdote. Après l'assassinat, enfin au moment de l'assassinat d'Henri, je vivais à Cuba, je travaillais pour le Festival mondial de la jeunesse. Et puis, après, je suis rentré et j'ai découvert que les Cubains avaient fait une déclaration au moment de l'assassinat d'Henri pour dire que c'était un agent de la CIA. Et puis, bon, comme j'avais un certain nombre de contacts, j'ai essayé de trouver un canal pour parler à un type qui s'appelait Barbaroja, qui était le chef des opérations spéciales en Amérique latine, qui était un personnage important, même si dans les années 80, il a été marginalisé. Barbaroja. Ouais. Et pour lui dire, bah, écoutez, c'est quand même... pourquoi vous avez fait ça? Et la réponse qui est venue, c'est de dire, écoutez, on a eu des militants qui venaient de Paris avec des faux papiers. Et les faux papiers étaient tellement professionnels qu'on s'est dit, ça ne peut être que les services qui l'ont fait. C'est un hommage à Marie. Mais malheureusement, il avait promis qu'il ferait quelque chose pour dire que Cuba s'était trompé, et puis il est mort dans un accident, et puis j'ai perdu le contact. Et puis c'est pas l'habitude à Cuba de dire qu'on se trompe. Hein. Peut-être il faudrait dire un peu, parce que c'est beaucoup moins connu que les porteurs de valises, évidemment. Qu'est-ce qu'a fait Solidarité? Ce mouvement a duré longtemps, quand même. Quelle a été son activité? On a beaucoup parlé de l'Afrique du Sud, du soutien à l'ANC, mais enfin, il y a eu d'autres choses. Henri Curiel lui-même, dans la seule interview qu'on a de lui, place des limites claires à ceux qui le soutiennent et ceux qui ne le soutiennent pas. Comment vous définiriez, avec des exemples autant possible, ce qu'a été le mouvement Solidarité? C'est très peu de gens, là aussi, c'est comme les porteurs de valises, en nombre, c'est pas énorme, mais en activité, c'est considérable. Ouais. Effectivement, c'est quelques dizaines de personnes, des femmes et des hommes, hein, tous très remarquables, et ça, on fait le tour du monde, hein, quand même. C'est l'époque où, au lendemain de la guerre d'Algérie, puisque Solidarité naît au fond de l'activité clandestine de la guerre d'Algérie, c'est la prolongation, donc au service d'autres mouvements de libération nationale, et pas seulement, c'est aussi, il y a encore du fascisme en Europe, en Espagne, en Italie, en Grèce. Et là aussi, donc il y a de l'aide, en particulier le Portugal aussi. Et puis il y a la décolonisation est loin d'être achevée. Et donc il faut aider. Et puis après arrive aussi, donc ça c'est les pays africains. Et puis après aussi il y a l'Amérique latine avec des dictatures en Amérique latine.
Et donc, il faut aider aussi les militants qui se battent contre ces dictatures. Et là, c'est extrêmement dur comme combat, très, très meurtrier. Et là, j'ai aussi un rôle extraordinaire dans la fabrication aussi des faux papiers, là. Et puis, il y a aussi l'Afrique du Sud, avec l'apartheid. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans une galaxie, l'Afrique du Sud, qui, à mon sens, mais ça on en parlera peut-être plus tard, joue aussi un rôle très important dans l'assassinat d'Henri. Et donc on peut faire une sorte de tour du monde, et puis donc il y a le dernier aspect, mais ça on va en parler, je pense qu'elle va en parler, c'est Israël-Palestine. Juste avant d'en venir à Israël-Palestine, les colonies portugaises, qui à l'époque sont quand même, une fois les dictatures fascistes tombées en Europe, la question numéro un avec l'ANC, quoi, avec l'Afrique du Sud, ça compte beaucoup, Mozambique, Angola, Namibie, etc. C'est Guinée-Bissau, c'est important dans l'activité de solidarité. Peut-être un mot sur, c'est-à-dire quand on définit solidarité, il y a évidemment un petit groupe, un petit noyau de militants. Mais une des choses qui fait la force de solidarité, c'est les réseaux. C'est-à-dire à travers France Terre d'Asile, à travers les églises, à travers... C'est-à-dire tous les gens qui ont participé au sens large à l'activité de solidarité n'étaient pas des militants révolutionnaires professionnels. Voilà. Et ça, c'est une des forces, c'est-à-dire la capacité, on le dit à un moment, de mettre les gens en contact. Et ça me semble très important. Et peut-être aussi juste pour ajouter, non seulement les réseaux... dont vient de parler Alain, mais aussi des relais, tant que De Gaulle est au pouvoir, des relais au sommet de l'État, qui considèrent que finalement ce que fait Solidarité converge avec la politique de De Gaulle à l'étranger. On va quand même parler, ça me paraît important, du rôle que Henri Curiel a joué dans les premiers contacts israélo-palestinien. Je rappelle à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas quand même, que la loi israélienne interdisait à tout Israélien d'entrer en contact avec des dirigeants de l'OLP. C'était la loi. Et c'est une loi qui vous menait en prison, le cas échéant. Donc je dis ça simplement pour dire que ça n'est pas sans importance quand on fait des contacts de ce type. De la même manière que, non pas la loi de l'OLP, mais la loi d'un certain nombre de groupes scissionnistes ou extrémistes palestiniens, c'était que quiconque allait parler avec des responsables israéliens, la peine était une peine de mort éventuelle. Donc c'est dans un contexte quand même très complexe qu'interviennent les efforts d'Henri Curiel pour permettre que des gens qui ne sont pas des minoritaires de part et d'autre, mais des dirigeants, on a vu deux en photo, Nati Peled, l'ancien général, l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, et de l'autre côté, Yasser Arafat et puis Sam Sartawi, bien sûr, qui a été d'ailleurs assassiné en 83. Bref, quel est l'enjeu à l'époque, quoi, au fond? Il faut dire qu'avant les contacts israélo-palestiniens, Henri était intéressé par une paix entre Israël et les pays arabes, et notamment l'Égypte. Et qu'en 72-73, il prépare une conférence qui s'appelle la conférence de Bologne. À l'époque, les Palestiniens ne jouent pas le rôle qu'ils vont jouer quelques années après. Et il y a aussi la tentative de faire qu'il y ait des contacts entre Égyptiens, Israéliens, mais effectivement sur la base de la reconnaissance des droits des nationaux des Palestiniens. Henri a toujours été marqué par le fait que le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, était une formidable chape de plomb sur la région. C'est-à-dire que, aussi bien en Israël que dans le monde arabe, ça empêchait toute évolution, parce que dès qu'il commençait à y avoir un mouvement social, on disait « Ah, ou un mouvement d'émancipation », on disait, regardez ce qui se passe, il y a l'ennemi, il va y avoir la guerre, etc., etc. Et donc c'est après 73, je crois surtout, qu'il a commencé à travailler sur les contacts israélo-palestiniens, avec l'idée que
bien qu'il était, enfin, je crois que c'est important de rappeler qu'il était aussi le sionisme comme idéologie. Mais il disait simplement, il y a maintenant un fait accompli qui est la présence sur le territoire palestinien d'une communauté juive israélienne et qu'il faut trouver une solution et que cette solution, elle doit passer par les principaux intéressés qui sont les Palestiniens et les Israéliens, y compris quand ils se définissent comme sionistes. Henri n'attache pas une grande importance à l'autodéfinition, qu'est-ce que c'est pour avoir des débats sur le sionisme, etc. Lui, il pensait que ce qui était important, c'est la reconnaissance des droits nationaux des Palestiniens. À partir du moment où les gens reconnaissaient les droits nationaux des Palestiniens, on pouvait discuter, débattre, etc. Et il a organisé ce qu'on a appelé les rencontres de Paris, qui ont été effectivement les premiers contacts entre Israéliens sionistes et responsables de l'OLP, mais avec une différence que Henri a toujours soulignée, c'est que les représentants palestiniens avaient d'une manière ou d'une autre le feu vert d'Arafat, alors que même si dans certaines conditions les représentants israéliens pouvaient avoir un certain aval, globalement, ils étaient quand même extrêmement minoritaires. Quoi. Et que donc, ça créait un problème parce que les concessions demandées aux deux parties n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire, c'est pas comme si l'OLP avait été direct, comme elle sera après, directement en négociation avec le gouvernement israélien. Mais il y avait l'idée qu'il fallait faire émerger un temps de la paix en Israël qui permettrait justement d'aller vers des négociations entre la direction palestinienne et Israël. Mais enfin, quand le général Pellet, pour parler de lui, participe à une rencontre, on sait très bien qu'il a été chef d'état-major, qu'il a été non pas un proche au sens sympathique, mais un proche au sens connaissance de Rabin, qu'il a même remplacé Rabin quand Rabin a fait sa dépression nerveuse en pleine guerre de 1967. Bref, ça a du sens, quoi. Comme oui, bien sûr. C'est des personnalités, mais c'est des personnalités, mais leur statut n'est quand même pas tout à fait le même que celui des Palestiniens qui viennent négocier. Alors, je ne veux pas vous presser, parce que j'aimerais qu'on laisse du temps pour que nos amis puissent vous poser des questions. Avant de venir à l'assassinat de Henri Curiel, j'aimerais te poser une question à laquelle je sais que tu n'aimes pas du tout répondre. Alain, oui. Mais je crois que ce ne serait pas juste avec nos amis de ne pas la poser. J'en suis témoin, tu n'as appris que celui que tu croyais être un oncle était ton père qu'au printemps 76, si ma mémoire est bonne. Et donc, tu as connu ton père comme père, disons, comme père que pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est-à-dire, comment tu as... Non, je ne parle pas sur le plan personnel, c'est pas ça que ma question, évidemment, n'est pas personnelle. Elle est sur le plan politique, c'est-à-dire, qu'est-ce que la rencontre d'un jeune communiste à l'époque, euro-communiste, c'était le moment, à l'époque, dans 76, 77, 78, avec quelqu'un qui n'était pas du tout euro-communiste, qui était très attaché à... disons, une vision quand même assez, je ne sais pas comment dire, guerre froide ou assez tiers-monde dans la guerre froide, quoi. Moi j'ai rencontré Henri en 62, quand je suis arrivé en France, et j'ai été communiste très jeune, j'ai milité, il était mon parrain, il a été jeunesse communiste, et en fait, dans toute cette période qui va à 62 à 60, décembre 76, au moment où j'apprends qu'il est mon père, je veux dire, il a joué pour moi un rôle majeur de formation politique. Je veux dire, il a été, je veux dire, un père de substitution, mais c'est pas tout à fait le terme correct. Donc, le problème, c'est que au moment où j'apprends officiellement qu'il est mon père, c'est pas... Bon, c'est évidemment des choses personnelles dont en partie je ne veux pas parler, mais il y a aussi le fait que je vivais... C'est les 2 années où j'ai vécu à Budapest et à Cuba pour m'occuper du Festival mondial de la jeunesse. Donc, entre le moment où je l'apprends et le moment où il est assassiné, je crois que je vais le voir 3 fois. Donc, mais il n'y a pas eu un changement fondamental, parce qu'il avait pour moi un rôle de parrain politique. Il m'a appris énormément de choses en politique, y compris une certaine forme de pragmatisme, la force du mouvement national, etc. C'est vrai que dans la dernière période, il y avait des divergences qui concernaient l'Union soviétique, puisque moi j'étais un cadre
étudiant communiste, qu'on était eurocommuniste, que je l'étais, enfin, que vraiment, et que... Mais, et je me rappelle une fois, on s'est engueulé sur... Je crois que c'est la seule fois de ma vie où on s'est engueulé, c'était à propos d'échanges entre Corvalan, le secrétaire général du Parti communiste chilien, et Bukowski, qui était un dissident. Et puis, bon, je dirais, Henri était un pro-soviétique. Convaincu, il était convaincu que l'Union soviétique était le, comment dire, le centre de la révolution mondiale et aussi disposait d'une connaissance en matière révolutionnaire qui était, mais je dirais que c'était, d'une certaine manière, je dis, ça n'a eu aucune conséquence, enfin, je peux le dire brutalement, aucune conséquence sur son activité politique concrète et sur nos relations, parce que sur nos relations, sur notre vision politique, c'est-à-dire les luttes de libération, les luttes politiques en France, etc., on était tout à fait d'accord. Et c'est vrai que l'essentiel de ma formation politique, elle a été en partie celle du BCF, mais elle a été largement influencée par Henri, quoi, c'est-à-dire par... voilà. Je vais juste raconter une petite anecdote qui peut vous faire sourire. En dépit du fait qu'elle se soit passée le jour tragique de l'assassinat d'Henri. Donc moi j'étais avec mon père, vraiment, donc quand nous avons appris ensemble que Henri avait été assassiné par la radio dans la voiture. Donc on se précipite rue Rollin, chez Henri et Rosette, et pour rester, etc. Et on retrouve là un de mes cousins, Philippe, à Lyon, qui arrive aussi. J'étais assez proche de Philippe à l'époque, parce qu'on a exactement la même âge. On était assis à côté l'un de l'autre, mon père de l'autre côté, et puis la porte s'ouvre, et on voit rentrer un grand jeune homme qui ressemble à Henri de façon stupéfiante. Et je demande à mon père, mais qui est-ce? Et il me répond, c'est Alain Grèche, le filleul d'Henri. Et moi, je dis à mon cousin Philippe, je dis, tu te rends compte, l'ascendant qu'Henri avait sur son filleul pour qu'il lui ressemble. Donc, voilà. Une petite rectification sur la date, c'était pas le jour de l'assassinat, parce que le jour de l'assassinat, j'étais pas, j'ai appris l'assassinat, j'étais à Paris. J'habitais Cuba, et j'étais à Paris avec une délégation cubaine. Et c'était un jour férié. Et puis, personne ne savait où j'étais parce que j'étais dans un... On était logé... et donc, ça doit être le lendemain. Et donc, j'ai appris moi-même l'assassinat. Le lendemain matin, on m'a appelé... voilà. On va venir, ça me paraît nécessaire, évidemment, sur l'assassinat d'Henri Curiel. Donc, je vais vite. Au moment de la pose de la plaque, tu as... de manière très claire, Alain, dans une vidéo, enfin un discours qui a été repris en vidéo assez largement, mis en cause directement le président de la République de l'époque, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing. Donc deux questions, enfin des questions journalistes, mais ce n'est pas toujours les mauvaises. Premièrement, pourquoi? Et deuxièmement, qu'est-ce qui lui a pris à Giscard? Parce qu'il faut bien qu'il ait eu un motif particulier. Or, on a évoqué l'Afrique du Sud, on a évoqué le film insiste beaucoup sur l'Algérie, peut-être Émilie nous dira pourquoi. On a évoqué les rapports israélo-palestiniens, encore qu'on voit mal à l'époque le Mossad s'occuper avec cette agressivité de conversation qui était quand même que le début de conversation. On était loin du bout du chemin, quoi. Donc pourquoi? Alors il y a plusieurs choses. En voyant le documentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais vues qui n'y sont plus, et peut-être Émilie va dire un mot là-dessus, notamment sur un témoignage de Sarès, du général de Sarès. Elle n'était pas dans le documentaire. Oui, moi j'avais gardé le film. Moi j'ai vu la première version dont ça serait. Donc où Sarès dit c'est nous qui l'avons fait. Bon, mais je dirais il y a une raison, je dirais politique d'abord. C'est expliquer pourquoi. Nous sommes en 1976 et la France est engagée dans une guerre en Afrique, qui est où elle pense, comment il s'appelait le gars qui a fait le type qui dirigeait les services à l'époque et qui a fait cette interview avec Thomas Manche, explique à Christine O'Crane dans un livre que l'avenir du monde se joue en Afrique et que la lutte c'est entre le communisme et le monde libre. Et
tu penses à l'Angola? Je pense à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Enfin, l'Angola, c'est déjà, on est déjà en guerre en Angola, et c'est l'Afrique du Sud. Il faut aussi rappeler, je veux dire quand même, au moment où Henri est assassiné, Solidarité est, je dirais, en fin de parcours, dans le sens où l'essentiel des luttes de libération ont gagné, que les dictatures en Amérique latine, enfin, non, pas en Amérique latine, mais les dictatures en Europe sont tombées. Donc, on a tendance à se dire, mais pourquoi maintenant? Et je pense que cette collaboration entre, alors, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid, la France, le Maroc, ils ont créé un groupe qui s'appelle le groupe Safari, qui est chargé de lutter contre le communisme, avec évidemment l'appui de la CIA, fait que effectivement Henri peut apparaître comme une figure à abattre. Et plus c'est le documentaire qui m'a amené à voir, j'avais pas vu la dimension algérienne, c'est-à-dire la dimension revanche algérienne, qui fait qu'il peut y avoir plusieurs convergences, c'est-à-dire c'est pas forcément, mais il y a des convergences avec les anciens de la guerre d'Algérie, de l'OAS, qui voient une occasion de revanche. Voilà. Et puis c'est à l'époque que j'ai dit. Il y a un livre qui est sorti, c'est le seul, à mon avis, qui s'appelle, qui, en 80, je crois, c'est la découverte qui avait sorti, qui s'appelle Arabicide. 70 Algériens ont été tués, ou 73, sans que personne ne fasse le. Il n'y a pas d'enquête, c'est quand même essentiel. Plus il y a une autre dimension, parce qu'on voit la prise d'otage, mais je crois qu'elle est liée au conflit du Sahara, non ? Occidental. Exactement. Il y a le Sahara occidental qui, à partir de 1976, devient un foyer. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir, enfin, en France, il peut y avoir des groupes qui assassinent sans. Mais là, je ne pense pas qu'une telle décision ait pu être prise sans les plus hautes. Autorité de l'État, qui prête jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu, Hollande a dit, j'ai donné l'ordre d'assassiner des Français qui étaient dans les groupes terroristes. Et ce type d'opération demande l'aval du président de la République. Émilie, je ne vais pas te demander de... Non, mais je vais prolonger d'une seconde. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand vous avez fait ce documentaire, j'imagine que vous avez brassé, indépendamment du film final, toute une série de raisons enchevêtrées. C'est ça dont j'aimerais bien que tu parles. Je voudrais quand même, juste pour aller dans le sens d'Alain, c'est vrai que le Sahara occidental est se joue comme un effet de loupe dans le Sahara occidental d'une guerre Est-Ouest. C'est-à-dire que Maroc, France, États-Unis d'un côté, Algérie, Franco-Polisario, Algérie, Moscou de l'autre. Et que donc il y a un abcès de fixation où se joue en territoire minuscule une guerre Est-Ouest. Mon père et Henri étaient amis. Je dois juste dire quelque chose. Mon père s'appelait Eric Rouleau, et ils étaient amis, ils étaient revenus d'Égypte quasiment ensemble, il y avait en plus cette dimension du côté de ma mère, enfin voilà. Moi j'ai grandi avec Henri, et il y a quelque chose que je dois dire qui me semble fondamental. C'est que Henri avait un charisme personnel absolument inégalé. Je ne sais pas si c'est dans votre enquête, Sylvie, où j'ai eu cette anecdote que en Égypte, on lui changeait ses gardiens de prison toutes les 24 heures, parce qu'il mettait moins de 24 heures à convaincre les gens. Donc, c'était à la fois une énorme force de séduction, une intelligence supérieure, un charisme très puissant, faisait qu'avec ces trois choses-là, et ce génie de l'organisation et du sens politique faisait de lui non seulement un homme d'État en stature, mais quelqu'un de très particulier et très seul. On est passé, nous, dans l'enquête, par les mêmes petites choses que vous venez de dire. C'est-à-dire que donc, moi, j'étais adolescente, on était juste à côté de la rue Rollin et on assassine un monsieur que j'ai toujours connu dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a hanté toute ma vie. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir arriver à Canal à l'époque dans un centre d'investigation, je me suis dit, on va quand même pouvoir faire l'enquête 35 ans et 40 ans après la mort d'Henri. En fait, j'ai fonctionné comme un maternel, c'est-à-dire que j'ai pris la revendication, on a démultiplié ça en point 78, je l'ai mis devant mon bureau, et il m'a fallu plusieurs jours avant de réaliser que la phrase importante était « lors de notre dernière opération, nous avions prévu ». Pendant 40 ans, tous les journalistes se sont succédé pour enquêter sur la mort d'Henri avec une question.
qu'avait donc il fait de plus pour mériter cet assassinat? Et c'était une question qui conduisait à une impasse, parce que comme disait Alain, De Gaulle est en partie, et c'est vrai que De Gaulle et Henri avaient des connexions de protection au sens très léger du terme, mais qu'ils étaient tous les deux dans une démarche de libération nationale. Quand De Gaulle est parti, le danger est arrivé sur Henri. C'est-à-dire qu'effectivement, Giscard a fait revenir tous les anciens fascistes et tous les anciens OAS, et que là, c'était la porte ouverte, non seulement pour les vengeances, mais aussi parce qu'il y avait cette guerre sourde avec l'Algérie, et qu'il fallait s'envoyer. Bon, on n'a pas tout monté dans le sujet. Il y a presque 7 journalistes qui ont travaillé comme enquêteurs sur cette histoire-là. Sylvie nous a donné un peu de temps au départ, et puis ensuite, on a cherché des journalistes d'investigation pure, qui ont fait le tour de tous les services secrets, les dossiers sud-africains qui se trouvaient à Amsterdam à l'époque, je ne sais pas pourquoi, Israël, sauf l'Angola, auquel tu tenais beaucoup, mais on a fait à peu près le tour, avant de tirer le fil, et de tomber, je ne sais plus comment, via Gilbert Collard, qui était l'avocat de Sarès, sur les opérations spéciales et les services spéciaux de l'armée. On a d'abord rencontré un Algérien, dont on n'a pas pu dire le nom, qu'on a rencontré de manière très rocambolesque, qui nous a donné 15 rendez-vous, des tertiaires, des secondaires, avant de nous retrouver dans l'arrière-salle d'un truc. Il m'a dit qu'il était ambassadeur, qu'il avait un très gros... Enfin, je peux le dire maintenant, c'était le président de l'Amicale des Algériens, celui qui était en fait visé par l'attentat que a subi son vieil ami. Et lui, c'est lui qui nous a dit, c'est Giscard qui a commandé l'assassinat. Et au début, on ne pouvait pas prendre ça au pied de la lettre, donc on a enquêté derrière pour pouvoir vérifier cette information de plusieurs sources. Jusqu'à ce qu'on ait obtenu une interview filmée de Osarès, filmée à côté de son avocat Gilbert Collard, où Osarès nous a avoué que c'était une opération homicide, c'est ce dont parlait Alain à l'instant, c'est-à-dire ces espèces de décisions à gré du président de la République qui peut faire assassiner en dehors de tous les clous des gens qui ont besoin d'être assassinés, enfin qui veulent assassiner, qui ont besoin d'être assassinés. Voilà. Et Osarès nous a dit que Henri était une opération homicide, et ça rentre très probablement dans ce conflit avec l'Algérie. Voilà. Sylvie. Oui. Alors, d'abord, juste un petit point d'information. En fait, il y a toujours une instruction en cours, qui avait été interrompue, qui avait été maintenue pendant très très longtemps par Lila Valcuriel, avocate et cousine, et qui s'était interrompue et qui a été repris à la faveur de la jurisprudence Bounin par William Cordon. Et donc, Alain et moi, nous sommes partie civile. Alors, il y a des pistes qui sont à nouveau explorées, et je pense qu'en fait, l'Algérie n'est pas contradictoire avec l'Afrique du Sud, n'est pas contradictoire avec les dictatures d'Amérique latine. Les Américains, surtout. Les dictatures d'Amérique latine, où il y avait à l'époque l'opération Condor qui était menée sous la direction d'un certain général Osarès. Il y avait un groupe aussi, un groupe mercenaire, le groupe de Bob Denard, qui faisait aussi pour le compte des services français des assassinats. Moi, j'ai regardé, dans l'enquête justement, j'ai regardé mais le nombre de coopérants français qui ont été assassinés en Afrique dans ces années-là, c'est-à-dire 77, 78, 79, c'est absolument stupéfiant, des personnes qui travaillaient comme coopérants, mais qui avaient eu l'outrecuidance de penser que ce que faisait la France n'était pas forcément formidable. Et en ce qui concerne l'Afrique du Sud, il y avait eu quand même quelque chose d'essentiel, je dirais, et qui explique que jusqu'à aujourd'hui, le secret défense est toujours au-dessus de cette affaire. Moi, j'appartiens d'ailleurs à un collectif qui s'appelle Secret Défense, un enjeu démocratique, et c'est une des affaires portées par le collectif. Donc, à l'époque, dans le gouvernement de Giscard, enfin juste avant l'assassinat, il y avait Poniatowski. Poniatowski, comme Georges Suffert, ils sont membres à l'époque des amitiés France-Afrique du Sud. Donc, et à ce moment-là, il y a un embargo, il faut voir aussi le rôle de l'Allemagne, le rôle des journaux, l'enchaînement de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, oui, il y a bien sûr la revendication, mais il y a la campagne de presse avant. Et la campagne de presse, elle s'étale sur 2 ans, non seulement en France, dans Le Point,
mais en Allemagne, dans Der Spiegel aussi. Et pourquoi c'est, pourquoi il y a ça? C'est parce qu'il y a un embargo international qui a été décrété contre l'Afrique du Sud. Et cet embargo a été rompu par deux pays, la France et l'Allemagne. Et sur quel domaine, dans quel domaine il a été rompu cet embargo? Dans la fourniture de l'industrie nucléaire à l'Afrique du Sud. Vous imaginez les enjeux? Et donc, la presse a révélé que l'Allemagne et la France avaient rompu l'embargo. Et sans doute qu'en Afrique du Sud et en France, on a pensé que c'était comme le groupe Curiel qui avait donné l'information, comme il avait pu le donner, par exemple, aussi en 1956, enfin, bon, voilà. Il a pu donner à ce moment-là l'information, mais bon, en réalité, c'était l'ANC qui a donné l'information. Mais dans la tête des dirigeants, vous imaginez les enjeux. Donc c'est quoi, Henri Curiel? Non seulement c'est un ancien qui s'est battu contre l'Algérie française, et là c'est plein, il n'y a pas que Poniatowski, il y a aussi, comment il s'appelle, Madelin, Longuerre, enfin toute la bande hein, d'anciens à ce moment-là. Donc les enjeux sont incroyables. Et Pandreau aussi. Et alors, donc moi j'ai rencontré il y a quelques années, il vient de mourir, paix à son âme, le commissaire Lucien Aimé Blanc, qui était un barbouze de chez Barbouze, qui avait dirigé l'anti-gang, enfin c'est lui, Mesrine, c'est lui, hein, par exemple. Et donc je le rencontre parce qu'il écrit ses mémoires et il parle d'un type qui a tué Curiel dans ses mémoires. Et donc, je lui parle d'un autre nom, parce qu'on connaît les noms, on connaît même les noms des tueurs aujourd'hui, enfin, sans doute des tueurs. Hein. Voilà. Dont un, Jean-Paul Guerrier, celui-là, je ne pense pas que vous lui avez parlé. Non, mais Jean-Paul Guerrier, ils étaient trois. Hein. Jean-Paul Guerrier est en Afrique du Sud, alors c'est extraordinaire, ce type qui s'est battu pour l'apartheid et maintenant fait des affaires en Afrique du Sud et est millionnaire en Afrique du Sud. Bon, voilà, c'est ça, le monde est comme ça. Hein. Et donc, je lui parle de Jean-Paul Guerrier, parce que Jean-Paul Guerrier est arrivé à Paris le 3 mai 1978, et il en est reparti le 5. Donc, c'est bon, voilà, peut-être venu faire des courses, mais quand même. Hein. Et donc, je lui parle de ça, il me regarde, il me dit « Ah là là, vous êtes bien renseigné quand même. » Et puis, il y a un silence, il me dit « De toute façon, tant que Giscard sera en vie, vous ne saurez pas. » Alors, oui, et puis après on va passer la parole à nos amis, hein, parce que c'est la règle. Je suis sûre que l'Afrique du Sud aura... Mais j'ai une autre lecture. Je reviens à cette idée de guerre Est-Ouest qui se jouait là. Le fait qu'il y ait des dossiers, des documents partout, qu'on voit des Américains partout, y compris dans ceux qui donnent les documents à l'IHF, ça vient aussi des États-Unis. Nous, on a demandé aussi le dossier Curiel, qui nous a remis de la CIA complètement cavalier. D'une manière ou d'une autre, je pense moi que les Américains sont dedans, mais il n'y a que moi. Merci Émilie. C'est à vous si vous avez des questions. Je voudrais juste vous donner un scoop. Il se trouve que j'avais un point commun avec Soufer. Ah oui. C'est que nous allions dans le même restaurant italien, en bas de chez moi, et que je l'ai croisé donc je ne sais pas combien de fois. J'ai jamais voulu même lui serrer la main, mais je l'ai entendu. Et plus il vieillissait, plus il radotait, bon ça c'est pas un scoop, et plus il disait, ils m'ont baisé, et je me suis fait avoir, et je l'ai vu, peu avant sa mort, pleurer à table. C'est-à-dire, c'est un journaliste français qui n'aurait pas dû avoir sa carte de journaliste. Ça existe aussi, c'est-à-dire, je pense que la dimension Curiel, la dimension Suffert, montre qu'effectivement, ça venait de très haut, quoi. Parce que jamais une opération pareille n'aurait été pensable, même au point, sans que ce soit une décision politique de mener la campagne. Alors, qui voudrait... Quand Alain parle de l'engagement de jeunesse en faveur du communisme, d'Henri, qui était fortement déterminé par une préoccupation de l'Europe, pour l'Europe où il y avait cette confrontation soviéto-fasciste, en quelque sorte, il y a aussi l'élément France libre qui intervient. Et il me semble
que la protection dont Henri Curiel bénéficie justement, tant que De Gaulle est là, a un lien fort avec cette question de la France libre. Hein. Il y a un élément qui m'a semblé intéressant par rapport à ces proximités entre des gens qui sont engagés en faveur du mouvement national algérien essentiellement et certains milieux plutôt gaullistes, si je puis dire. C'est le cas de Francis Janson. Francis Janson, donc, qui a créé le réseau de solidarité de soutien au FLN, que ensuite Curiel continuera, eh bien, il est obligé de quitter la France en 60 et il revient beaucoup plus tard, dans les années, milieu des années 60, fin des années 60. Et à ce moment-là, il va voir Malraux. Et Malraux avait arrêté de condamner la torture à partir du moment où De Gaulle était arrivé au pouvoir, hein, puisqu'il avait signé contre la torture en 58, au moment où paraît la question d'Henri Alleg, etc. Et il arrête en disant, quand il devient ministre, depuis que De Gaulle est là, il n'y a plus de torture en Algérie. Bon, vœu pieux, évidemment, alors qu'on sait qu'elle s'est étendue. Alors, Francis Janson va voir Malraux. Et Malraux lui dit, je préfère les gens qui font des choses à ceux qui ne font rien. Donc, il lui rend hommage. Alors, c'est complètement paradoxal, parce que Francis Janson lui avait envoyé une dédicace très vigoureuse sur le fait qu'il était devenu taisant sur la torture à partir de 58. Donc il l'avait un peu... Et Malraux lui en veut pas et lui donne la création, lui confie la création d'une maison de la culture. Bon, et voilà. Donc c'est un signe de ces proximités, comme il y en a d'autres. Le dernier que je voulais mentionner, c'est Jérôme Lindon, édition de Minuit, celui qui publie l'affaire Audin de Yann Naquet, la question d'Henri Alleg, etc., et bien d'autres choses. Eh bien, en 65, première élection présidentielle au suffrage universel, Jérôme Lindon vote De Gaulle. Bon, c'est juste après l'assassinat d'Ben Barka. Bon, donc, ça montre ces proximités. Donc, il y a un fait qui me semble, alors ça fait partie de nos débats, je pense, avec notamment collègue, ami Alain Lucio, il me semble qu'il y a, du côté de la mémoire communiste, une espèce d'occultation du caractère anticolonialiste d'une petite frange de l'entourage de Gaulle, et voire de milieux socialistes qui rompent avec Guy Mollet, etc. Enfin bon, il me semble que ces mouvements font partie de l'histoire, et c'est pour ça aussi que je voulais le souligner à propos de Henri Curiel. Merci Gilles. Un conflit majeur entre la trilatérale et l'Afrique continentale. C'est ça la question majeure, il me semble. Bon, vous avez fait référence au mouvement de décolonisation. L'ancêtre de ça, c'est le congrès de Bakou. Donc, sur la question de l'Afrique continentale, il y a un mouvement anticommuniste très très fort de l'extrême droite. Vous avez évoqué Osares, j'avais déjà pensé avant, mais avant, il y a Pierre de Villemarais, qui est dans les services secrets, et qui a participé, qui a écrit de nombreux livres, etc., et qui collabore à différents niveaux internationaux avec d'autres services, et qui est partie prenante de toute cette bataille à l'échelle internationale, de ceux qui en plus du débat, du combat pour l'anticolonialisme, sont pour la révolution socialiste, et qui participent aux enjeux, parce que le réseau de solidarité et le réseau de parallèle de logistique avec Ben Barka et avec, on sait très bien, chez Alger, le camarade qui vous a probablement formé, Kaminski, etc., etc. Justement pas. Ah bon, je suis étonné, parce qu'il est très impliqué aussi, avec aussi l'Algérie, Pablo, etc., je ne développe pas. Un dernier point quand même sur la question de l'Afrique du Sud, l'affaire qui est arrivée plus tard, qui lui aussi est un coopérant, c'est l'affaire Albertini. J'ai fini. Merci. Deux petits points. Un sur la question de De Gaulle. Une chose c'est la France libre, autre chose c'est De Gaulle et l'Afrique.
c'est autour des débauches, il y a les Focard et compagnie. Mmh. Et il y a des éléments très clairs sur le peu de sympathie que De Gaulle a eu pour les mouvements de libération, notamment ceux tardifs des colonies portugaises. Au point que, tout en étant un pays qui n'est pas dans l'OTAN, la France n'a jamais permis aux dirigeants des mouvements de libération armés, donc, qui se battaient contre le colonialisme portugais, de se rendre en France. Alors que les réfugiés politiques, à travers la CIMA et d'autres structures formidables qui existaient à l'époque et qui ont fait des choses spectaculaires, hein, les sauvants du fascisme au Portugal, avaient pu les amener ici et même les protéger d'une certaine manière. C'est pas le cas des mouvements de libération en tant que tel. Au point qu'après l'indépendance de ce pays, c'est le cas du Caver et de l'Angola, certains des dirigeants déjà dans les gouvernements indépendants étaient encore dans la liste noire. Quand ils arrivaient à l'aéroport, il fallait que l'ambassadeur se dépêche pour expliquer que ce n'est plus un terroriste, mais un bon monsieur qui maintenant est ministre de je ne sais pas. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est sur ce qu'a pu dire Desmaranche dans le livre de Christine O'Crinte, qui était, j'ai l'interview, je crois qu'il a eu lieu après la mort de Goebbels, mais lui, il dit « Giscard d'Estaing, c'est un faible. Il ne fait pas ce qu'il faut faire. Regardez, Cazé, la CIA, eux, s'agitent comme il faut pour défendre le monde libre, alors que nous, on assiste à ce qui se passe en Afrique, sans réagir suffisamment. Bon, il y a eu Dénard, d'ailleurs, évidemment, on n'est pas lui, par la suite, et même avant. Mais les opérations continuent. Et lui, il dit, nous, on a dû opérer en tant que SDEC, sans l'accord de Giscard. Je ne sais pas pour le défendre, je dois faire du culier. Il a pu dire ça. On a fait ça parce que c'était dans l'intérêt de la France de désobéir, en quelque sorte, y compris après la reconnaissance de la France de l'indépendance angolaise. Pour dire, la complexité est telle qu'on s'y perd. Dernier point, c'est le point commun entre l'assassinat, évidemment, de la représentante de l'ANC et les groupes, disons les barbouzes français qui sont toujours prêts à donner un coup de main, et l'assassinat de Olaf Palme. Vous savez que maintenant, il y a une enquête qui reprend, grâce à des écrivains qui ont travaillé sur les archives, sur plusieurs choses, des interviews diverses. Je ne sais pas si la piste dernière, d'après ce que j'ai vu, est vraiment la bonne, mais ce qui est intéressant, c'est que, de nouveau, l'Afrique du Sud ressort fortement, et le nom du gars des services sud-africains qui serait impliqué est le même que celui de l'assassinat de la représentante de l'ANC à Paris et d'autres cas. Donc il y a tout un réseau que j'espère n'existe plus. Mais enfin, c'est quand même intéressant de mettre ça en rapport avec ce qui se passait en France pendant toutes ces années-là. Mais Augusta, tu es d'accord que De Gaulle, c'est une chose. C'est évident que De Gaulle n'était pas un bolchevique, ça, on le sait. Mais dans le gaullisme, qui est un mouvement d'une hétérogénéité formidable, il y a toujours eu une dimension ou des dimensions, France libre, résistance, gaullisme social, UNR-UDT, enfin, ce qu'on appelait l'UDT à l'époque, etc. Ça n'a pas marché en Afrique. C'est très complexe, quoi. Le mouvement gaulliste n'est pas un mouvement avec une idéologie structurée qui est unanime, loin de là. Et sur Giscard, moi, je ne sais pas, c'est mes souvenirs personnels de journaliste, quoi. Mais Giscard, c'était un homme actif du côté de l'OAS. C'était un homme de l'Algérie française. C'était un homme qui, dans le gouvernement de Gaulle, trahissait et était du côté des autres. C'est pas un personnage qui a fallot, qui arrive comme ça à la faveur de la mort de Pompidou. Et... Non, c'est vraiment un homme extrêmement actif. Peut-être qu'il n'était pas assez pour un certain nombre d'ultras, mais il l'était pas mal quand même. Hein. Oui, oui, oui. Ce sont des choses qu'on n'a pas pu mettre dans le film parce qu'elles étaient purement diffamatoires, mais les témoignages qu'on a eus sur la façon dont dans le cercle rapproché de Giscard à l'Élysée, où il y avait Poniatowski, je crois que c'est Pompon, mais je ne suis pas sûre, un autre du même genre, ils étaient dans un. Ils parlaient de manière extrêmement raciste. Poniatowski est venu se plaindre à l'Élysée en disant on en est à 71 morts algériens sans aucune procédure, il faut arrêter ça. Et
écrits nous a dit que Trotsky lui avait répondu « On vous sortira, on vous extirpera jusqu'au dernier de la France ». Donc c'était sûrement sous le coup de la colère, mais c'était dans ce genre de façon, dans le climat, dans le premier cercle autour de Giscard. D'autres remarques ou questions ou... Voilà. Comment, ce que faisait Solidarité. Et il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'organisation elle-même de Solidarité. L'association était clandestine, pas parce qu'elle employait des modes de travail clandestins, pas du tout parce qu'elle faisait des activités illégales. Il y en avait quelques-unes, on en parle, c'est celle dont on parle le plus, mais le gros des activités étaient des activités d'aide, de lien, de circulation, d'impression. Il y avait des activités de mise en contact. Alors, il y avait une structure qui était une structure qu'on appelait les liens. C'était ceux qui avaient la responsabilité d'avoir les contacts avec les gens qui arrivaient, qui étaient eux en danger, pas nous, mais eux étaient en danger, et qui s'appelait, ça s'appelait les liens. Il y avait Henri, il y avait Jean de Vanguel. Ça s'appelait pas Henri et Jean de Vanguel, mais ils avaient des pseudonymes. Hein. Bon, et il y avait un autre groupe qui était les services. Les services étaient essentiellement les rôles de Vanguel, moi et d'autres évidemment. Et en particulier, en ce qui me concerne, j'avais comme rôle de trouver, de recruter des gens pour être boîte aux lettres, dépôt, hébergement, boîte aux lettres, parce qu'il ne fallait pas s'écrire entre soi. Donc, les gens arrivaient, ils étaient en contact avec les gens des liens. Mais avant qu'ils arrivent au service, on avait déjà mis sur pied tout ce qui permettait de communiquer de façon sûre pour eux, pour qu'ils ne soient pas trouvés, parce qu'il y avait quand même des représentants de leur pays en France. Bon, ça c'était la première chose. Alors quand on parle des réseaux France Terre d'Asile, effectivement, a été créé par des gens, dont les rôles de Vanguel, qui avait travaillé à France Terre d'Asile, à Solidarité pendant 10 ans, 15 ans même. Mais France Terre d'Asile était coupée, n'avait rien à voir avec Solidarité. Hein. Il n'y avait pas c'était complètement différent. La troisième chose que je voulais dire, qui va être très courte, ça concerne l'Afrique du Sud. Et le rôle qu'a joué le fait que la France livrait des armes au gouvernement de l'apartheid, c'est que, alors c'était plus tard, en 88, effectivement, le représentant de l'ANC à Paris a été assassiné, c'est du 6 septembre, et comme pour tous les autres, son assassinat n'a jamais été élucidé. Et c'est une affaire dont s'est occupée l'association Mémoire, Vérité, Justice, qui avait été créée par Lida Faouzi, toujours les mêmes. Et dont je faisais partie, et qui est un peu en sommeil en ce moment, mais on va certainement en reparler parce qu'on a des éléments justement liés à ce travail qui a été fait par M. Zettinger et qui est probablement la cause de son assassinat. Merci Sylviane, une précision de Sylvie. Oui, il y a eu quand même un procès pour M. Zettinger et il y a eu des condamnations par contumace, dont le fameux Jean-Paul Guerrier, qu'on retrouve aussi dans l'assassinat de Bussy Septembeur, comme on le retrouve dans pas mal d'autres assassinats, et qui était un membre du groupe de Bolsonaro. Quelques dernières questions, après avoir... Oui, je voudrais dire quelques mots du collectif Secret Défense, un enjeu démocratique dont a évoqué Sylvie. Moi, je suis simple citoyen de Lisieux et membre du comité de soutien à Elisabeth Borel, la veuve du magistrat assassiné à Djibouti. Donc, l'idée de ce collectif, c'est de regrouper un certain nombre d'affaires. Actuellement, il y a 17 affaires. La plus ancienne, c'est les soldats du Sénégalais de Tiaroy, qui ont été mitraillés plusieurs centaines sans doute, alors qu'on a toujours dit que c'était une mutinerie. Et la dernière affaire, elle date de 2013, c'est les journalistes assassinés au Mali, Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
Donc 17 affaires, il y a l'affaire Ben Barka, Boulin, Houdin, Curiel, Borel. Donc ce qui nous paraît important, parce en tant que simple citoyen, ce qui me paraît l'enjeu, c'est que la France, qui est quand même la patrie des droits de l'homme, on peut assassiner quelqu'un comme ça, simplement parce que, dans l'affaire Borel, c'est clair, il avait découvert des choses douteuses à Djibouti, il allait venir à Paris les raconter à son ministre, et donc il a été liquidé parce qu'il ne fallait pas qu'il parle. D'ailleurs, probablement, c'est du nucléaire qui est derrière, hein, c'est l'hypothèse la plus probable, ce qui prouve qu'à chaque fois, on tombe sur les mêmes filières, les mêmes enjeux, et comme disait quelqu'un, comme pour le faire Curiel, il faut attendre que Giscard soit mort pour savoir, là, on se disait, quand Chirac sera mort, puisqu'il est mouillé jusqu'au cou dans cette affaire, peut-être qu'on saura, mais on ne sait toujours pas. Il faut savoir que dans cette affaire, par exemple, il a fallu 7 ans pour qu'un journaliste d'investigation prouve que ce n'était pas un suicide, comme c'était organisé comme un suicide, mais un assassinat, et qu'en 2020, donc 25 ans après l'affaire, c'est toujours l'Omerta et le secret défense. Donc l'enjeu de ce collectif, c'est effectivement d'essayer de médiatiquement mettre sur la place publique l'enjeu démocratique qu'il y a derrière toutes ces affaires. On tombe toujours sur l'État qui se permet, enfin, je vous dis, c'est digne de l'ancien régime où le roi décide que, bon, ben, tel est gênant, donc on va le liquider, et qu'on ne saura jamais, puisque dans l'affaire Borel, comme dans l'affaire Curiel, tout le monde sait qui a fait, enfin, tout le monde sait les responsables, ça, qui a fait le coup, comment ça s'est passé, mais qu'il n'y a pas moyen de faire parler. Et que dès qu'un témoin parle, il a les pires ennuis. Donc c'est un peu le problème de toutes ces affaires. Donc le collectif Secret des Forces, on est en train de travailler à l'édition d'un livret qui résumerait toutes ces affaires et qui essaie de mettre sur la place publique l'enjeu qu'il y a derrière. Parce qu'une fois que médiatiquement on arrive à mettre sur la place publique un certain nombre de choses et à les faire partager par l'opinion, moi je connaissais l'affaire Curiel, puisque bon, j'étais assez politisé, mais c'est vrai que j'en savais pas beaucoup plus que ça, mais c'est en découvrant que toutes ces affaires, on retrouve le même schéma. C'est-à-dire qu'un pouvoir décide que telle personne est gênante et que pour un certain nombre de raisons, on la liquide et sans que circuler, il n'y a rien à voir, avec souvent, bien sûr, les autorités militaires qui sont derrière ou des enjeux de géopolitique qui sont quand même assez bizarres dans un pays démocratique qui se prétend être la patrie du droit de l'homme. Merci beaucoup. Une toute petite question relative à ce que vous avez dit de Sarès et de Nicolas. Vous l'avez filmé, et pourquoi est-ce que ça n'est pas repris dans le film? Mais vous avez parlé à un moment de censure, d'où vient-elle? La censure, moi, j'ai déterré un peu, mais oui. En fait, moi j'ai dirigé un programme d'investigation sur Canal+, et on avait fait un top là avec mon patron pour quand il y avait des choses un peu qui n'existaient pas ailleurs à l'époque, puisqu'on était les premiers, et on avait fait un top là avec mon patron que... Quand il y avait des choses un peu sensibles, je devais les partager avec lui, ce que je faisais tout naturellement. Et la première version du film, il y avait en effet une interview de Sarès, et malheureusement, le patron de Canal s'appelait Jean-René Fourteau et était le meilleur ami de Sarès. Donc voilà. Le meilleur ami de Giscard, pardon, je fais la plus. Et donc voilà, donc il m'a dit les choses clairement, c'était sympa de me les dire, et la séquence ne pouvait pas passer dans le film. Point final. Mais l'interview est dans le dossier de l'avocat, je crois. Merci Gilbert pour la question. Alors merci d'être venu. Je voulais aussi dire que j'ai été frappée par des similitudes dans l'organisation, enfin l'origine de Solidarité sur la résistance française. Et en fait, en plus, il avait été formé sous le nazisme. Parce qu'il y a eu des gens de toute opinion et de toute condition sociale. Ça, c'est pour moi, c'est la résistance française. Voilà, ben, je vous remercie d'être venu. À bientôt.